Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17, les amis, nouvelle vidéo sur la map Old Stream Farm. Nouveau retour sur cette série, sur cette map là les amis, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est la nouvelle série du mardi qui va venir remplacer celle sur la map le Vieux Marais. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'avais pas trop de maps qui me plaisaient, honnêtement, on n'a pas trop de maps françaises qui me plaisaient en ce moment. Donc je vais pas vous faire une série sur une map qui me plaisait pas du moins et dont j'avais pas trop envie. Je préfère vous proposer une série voilà sur cette map là qui me. Voilà, là où je stream c'est. Elle me plaît toujours autant même si c'est une map vue et revue. Voilà, il y a des nouveaux modes les amis qui sont sortis, tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des belles séries, une belle série sur cette map là. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais je pense que voilà, il y aura des déçus forcément, mais je pense que ça plaira à pas mal d'entre vous. Du moins je l'espère. Vous voyez une petite benne qui est Ben le Gras qui est pleine de grains. On ira vendre ça dans le prochain épisode les amis avec de la moisson, parce qu'on se fera de la moisson dans le prochain épisode normalement dispo dès mardi. Voilà, donc ce qu'on va faire dans cet épisode là, je vais vous expliquer, on va tout simplement continuer d'acheter notre matériel les amis, parce qu'il nous faut qu'on achète du matériel. Donc l'épisode sera pas très très long, on va continuer d'acheter un petit peu de matériel ensemble, c'est voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on allait sur cette map là pour la série du mardi. Donc on va la prendre comme ça, parce que pour tout vous dire, j'ai déjà tourné la vidéo une fois, la capture m'a planté. Donc du coup, hop, on va prendre, voilà. Donc la capture m'a planté, donc du coup ça a bugué. Je l'ai refait une deuxième fois, mais comme un con. Là c'est la troisième fois que je la tourne les amis, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo. Deux rangs, hein, je me suis pas arrêté, je me décourage pas, donc là normalement ça doit marcher. La deuxième fois, j'avais fermé le logiciel de capture comme un blaireau, faut dire ce qui est, hein, y a pas d'autre mot. J'avais fermé le logiciel, je sais pas pourquoi, je pensais que je l'avais mis, pourquoi je pensais qu'il était ouvert, donc j'étais prêt, j'ai fait ma vidéo tranquillement. Je capture, j'enregistre tout ça, puis je regarde. En fait j'avais fermé le logiciel, donc forcément ça ne pouvait pas capturer. Donc ouais, j'étais encore un peu dégoûté, donc voilà, là normalement tout va bien, tout fonctionne. Donc voilà, donc les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu rien que pour ça. Voilà, c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, encore une fois, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé ça. Mais bon, ça c'est les aléas du métier comme on dit. Voilà, ça arrive souvent ça. Même si ça faisait un petit moment que ça me l'ait pas fait quand même. Mais c'est vrai que c'est assez rageant ça. Ceux qui se font des vidéos, je pense, me comprendront. Ça c'est assez rageant de. Quand ça arrive. Hop, donc on va acheter la petite Caligani. Caligani, pardon. On va acheter également, je pensais acheter également du matériel pour les vaches tout de suite. On va prendre cette petite mélangeuse là qui ira très très bien. Hop, oui, ok. On va prendre également une pailleuse, je pensais à la gelin en nouvelle couleur. Donc ouais, je connais tout par cœur les amis parce que je l'ai déjà tourné deux fois. Donc autant vous dire que je sais ce qu'on va prendre. Et puis une petite tonne à eau également, la petite agrimat. Voilà, on va prendre en standard, ok. On va déjà acheter ça, peut-être qu'on achètera, j'ai envie de prendre le gros Dots TTV, le série 7 également, même si c'est un peu gros pour la ferme, enfin on verra. J'ai bien envie de me l'acheter aussi, puisque c'est un tracteur que je vous ai présenté cette semaine en vidéo, c'est un mode que je vous ai présenté. Et franchement il fait envie ce tracteur, il dispose également sur mon site internet. Je tiens à dire, la petite presse que vous voyez derrière est dispo sur le mode Hub, elle. La Ben le Gras que vous avez vu à la ferme est dispo sur mon site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que la petite tonne à eau qu'on a acheté, donc elle est dispo sur le mode Hub. La gelin est dispo sur mon site internet. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? La petite mélangeuse est dispo sur mon site internet. Donc tout est en description. Vous allez voir ça si vous voulez tous les modes. Donc je veux pas de machin. Donne-moi le lien. Est-ce que t'as le lien de ça, ça, ça? Non, tout est dans la description. Tout est sur mon site internet quand c'est dispo. Sinon, c'est sur le mode Hub. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va dételer la presse à côté de la benne, les amis. Hop, on va pas se prendre la tête. Hop, tac comme ça. Ouais, donc j'espère vraiment que le retour de cette map là vous plaira. Je pense qu'il y aura des déçus parce que voilà, le stream on l'a vu et revu. Mais bon, je pense que voilà, ça fait plaisir comme moi ça me fait plaisir de rejouer sur cette map là parce que c'est une map qui est mythique. Franchement, c'est la map pour moi de farming. Enfin, la map on va dire modée, j'ai envie de dire. C'est vraiment cette map là, voilà, qui c'était une des premières à sortir sur le 17. Hein, quand FF 17 était sorti, c'était une des premières à ressortir dessus. Je crois qu'elle est dispo également sur PS4, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'elle a perdu un petit peu de son charme derrière, parce qu'elles ont dû adapter voilà, tout ça pour qu'elle soit jouable sur PS4. Et c'est pour ça qu'elle, même si elle a plus son charme de FS15, je sais pas ce que vous en pensez, même si ça reste plus ou moins fait pareil, tout ça. Je vois que vous voyez, ouais, on a vu la moissonneuse, les amis, on ira la voir, la moissonneuse que je vais acheter, puisque j'ai attaqué les moissons également un petit peu en off. La petite Fiat Agri, voilà, que j'essaie de vous mettre sur mon site internet. Voilà, voilà. Mais ouais, elle a perdu un petit peu de son charme et tout par rapport à FS15, tout ça. Il y a des petites modifs, tout ça. C'est plus la map qu'on a connue de FS... Enfin, c'est plus la map. Bon, ça reste quand même la map, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais elle a perdu un petit peu de son charme par rapport à FS15 quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Hop, voilà. On va lever ça. Donc on va acheter, donc je l'ai dit. On va le prendre le tracteur. On va l'acheter, on verra ce qu'on en fait, si on le garde ou pas. Après, j'ai envie de me le prendre, les amis. J'ai envie de me faire un kiff, de me faire plaisir. Donc c'est celui-ci, série 7. Encore tout le. On va le prendre les LED. On va juste laisser en standard. Standard, non, 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 standard. Ouais, allez, hop, on l'achète comme ça. Tac. Voilà, c'est. Normalement, il est à côté. Voilà, donc il est un peu gros, peut-être. Je vous l'accorde. Il est peut-être un peu gros. Alors, ce qui est bien avec ce tracteur, c'est que vous pouvez le démarrer avec lisser. Regardez. Hop, par contre, faut remettre ça. Regardez. Vous avez le petit bruit de clé, tout ça. Franchement, c'est stylé. Hein. Franchement, c'est grave stylé. Je crois que c'est Arsenic également. Ces modes sont un petit peu comme ça également. On peut les démarrer à la clé. Hop, donc on va atteler ça. On va se mettre le follow me. Voilà. Voilà, donc j'ai pris également le petit, voilà, pour vous montrer. J'ai pris le télescopique Manitou de base avec la fourche Altec, mais vu qu'on fait des balles rondes, je pense pas qu'elle soit bien pratique, cette fourche. Enfin, on verra ça. Le petit massier qui est derrière, on va le virer. Il y a une petite faneuse également qu'on va garder. Mais voilà, donc on verra ça au petit à petit. Voilà, on va se prendre attention à cette série-là, les amis. La série du mardi, c'est fait pour tester les mods. Pour voilà, faire des. Oh là, oh! Est-ce qu'il va passer en. Oh là, voilà, le follow me, il va bugger. Il va se payer. Non, il a l'air de se caler. Non, il a l'air de se caler derrière, ok. Donc ouais, la série du mardi, les amis, c'est fait de toute façon pour tester les nouveaux modes, tout ça. Pour, voilà, on se prend pas la tête cette série-là. Et voilà, donc ça va continuer, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va mettre le petit clignotant. Voilà, comme ça. Puis cette map-là, les amis, voilà, la Old Stream Farm, enfin Old Stream Map, franchement, c'est vraiment la map. Bon, franchement, une map que j'adore. Des fois que je joue même dessus en privé de mon côté. Tellement elle est bien cette map. Alors attendez, la petite. Hop, tac. Donc on va faire ce qu'on va dételer la gelin. On va dételer par ici. Pourquoi pas. Oh! Pourquoi pas se dételer à côté là? Ouais, franchement, j'espère que la capture va marcher cette fois-ci. Je suis en stress, les amis. Je suis en stress de savoir si la capture marche. Franchement, j'espère que ça va marcher parce que. Merde. Comme on dit, désolé, mais merde. Franchement, c'est juste abusé quoi. Quand vous. Ah, mais je vais pas mettre les feux. Quand vous, voilà, vous faites une belle vidéo, tout ça. En plus la première j'étais un petit peu mécontent, je dis bon, c'est pas grave, on va la refaire au final, c'est voilà, c'est pas grave. La deuxième j'étais hyper content de moi, et une belle vidéo, et bah non, ça a pas marché. Enfin, du moins c'était de ma faute, j'avais pas. Non, c'est pas que je l'avais pas. C'était de ma faute, j'ai oublié de fermer le logiciel, donc forcément ça pouvait pas capturer, hein, comme on dit. Hop, donc la petite mélangeuse, on va la garer, bon, au pire on va le laisser atteler dessus. Bon, il est un peu gros pour la mélangeuse, je vous l'accorde. Hein, ça je vous l'accorde, le tracteur est peut-être un tout petit peu gros. Pour la mélangeuse, mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste pour le transporter de toute façon. Voilà, la mélangeuse, je pense elle ira parfaitement, les amis, pour cette map là. Elle est parfaite, enfin, franchement, je la trouve très très bien. Donc, au pire, hop, on va arrêter le gyrophare et puis lui, on va le mettre à côté. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, lui, donc, lui, on va aller chercher la petite tonne à eau. Et puis on verra pour acheter bah, tout ce qui est matériel de fauche. Alors dites-moi si vous voulez une faucheuse normale, on va dire. Faucheuse portée normale. Ou une faucheuse conditionneuse, vous savez, tractée. Qu'on tire derrière un tracteur, voilà. Dites-moi ce que vous voulez. La faneuse on l'a. L'endaineur, on verra ça. Bon, après, c'est le petit matériel qu'on verra. Parce qu'il faudra qu'on fasse des foins également. Là, on va faire les moissons. Parce que voilà, cette saison. Et là, je me suis en plein dans les moissons. Donc je vous montre après la petite Fiat Agri, vite fait. On va atteler la tonne à eau. Pardon, mon gars, je vais être écrasé. On va atteler la tonne à eau. Et puis on. Allez, ça passe là, hop, ça passe, oui, ça passe, on a un peu des bourrins, mais c'est pas grave. Hop, donc la petite tonne à eau, après on achètera des vaches également, les amis. Bon, il y a pas mal, franchement, il y a énormément de choses à faire. On va se faire plaisir, je vous le dis. Moi, je vous le dis, les amis, qu'on va se faire plaisir. Ah, pardon, désolé, faut lever la béquille. Autant pour moi, hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bah attendez, puis on va, c'est bon, je l'ai levé, ah oui. On va switcher dans la machine, regardez cette petite Fiat Agri qui est pleine de grains, d'ailleurs il faudra que je la vide, c'est pour ça qu'on va les vider. L'autre remorque qui est également pleine de grains, on va la vider avant. Enfin du moins on va la vider au début de l'épisode prochain. Et après on va se faire de la moisson avec cette machine là qui est juste magnifique. Elle est montée sur vérin derrière, vous voyez, elle garde le niveau, elle est toujours niveau en fait. Comme ça le battage se fait correctement dans la machine en fait, ça sert à ça hein, pour que toute la paille, enfin tout... Tout soit pas mis, tout soit bien réparti sur la table de séparation de la machine, tout ça sur, voilà, si je dis pas de conneries, c'est ça. Et ça évite dans les pentes d'avoir tout d'un côté ou tout de l'autre et du coup que ça batte mal le blé en fait tout simplement et qu'il y ait de la perte de grain également. Donc du coup voilà, c'est vraiment une très belle machine, très bien faite et vraiment sympa à utiliser, vous verrez ça dans le prochain épisode. Allez, on ramène ça à la ferme, je pense qu'on se quittera là-dessus, les amis, on va pas faire plus long pour cette vidéo-là, c'est juste une petite vidéo entre guillemets annonce.
un petit peu, voilà, qu'on revenait sur cette map là. Notamment, normalement dès mardi. Dès mardi les amis, épisode de moisson. Il n'y a pas de souci, on se fait ça. Il n'y a pas de souci. Hop. Enfin, j'espère que la capture va marcher. J'espère que je suis en stress pour ça. Limite j'ai trop envie d'arrêter maintenant pour voir si ça fait capturer. Donc désolé, je coupe à travers pour revenir. Mais franchement les amis, j'ai trop hâte de voir. Parce que là je la refais pas. Franchement là après je vais me coucher. Si jamais ça. Il est 23h. Alors je prends de la vidéo. Donc franchement les amis, si ça ne. Ah non, je vais dételer la tonneau ici. Si ça ne marche pas, j'arrête pour aujourd'hui, je rattaque demain. Franchement. Parce que non, ça va bien les conneries là. Hop, donc là. Oula. Comme ça. Voilà. On va descendre. On met la petite béquille. On peut... Ah, j'ai mis le manuel touching. Bon, on peut même comme ça. Ok, bah, super ça. Super, super. Et puis le tracteur, bah, pourquoi pas le laisser à côté. Il sera bien. Hein, puis pour cette, pour ce coup-là, on arrêtera là. Hop, tac, voilà. Bah écoutez les amis, voilà, j'espère que le retour sur cette map-là vous plaira, vous aura plu. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hop, on va aller voir un petit peu. Au niveau des vaches, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que c'est vrai que j'ai pas joué sur celle-là, par contre. Même si je joue un petit peu de mon côté avant en privé, là c'est vrai que c'est vraiment que j'ai pas joué dessus, il n'y a rien qui a été changé, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc voilà, bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça. Je regarderai avec grand grand plaisir. Bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.